Salut tout le monde, aujourd'hui ma vidéo qui est une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Parce que c'est vrai que depuis que je vous montre un peu dans mes vidéos productive day, etc., que je travaille, que je fais du dessin, de la peinture, de la perspective, etc., vous avez été très nombreux à me poser des questions par rapport à mes études et j'ai reçu énormément de DM par rapport à ça. Je me suis dit que j'allais carrément me poser dans ma caméra, faire un face cam comme ça, où je vous ai demandé directement sur Instagram de me poser les questions que vous souhaitez par rapport à mes études, par rapport à ce que j'aimerais faire, ce que je fais en cours, etc., etc. Afin que je réponde simplement à vos questions et je pense que ça peut en aider certains. Donc du coup ce matin je vous ai posté une petite story où je vous ai tout simplement demandé de me poser les questions que vous souhaitez par rapport à mes études, ce que je voudrais faire plus tard, en quoi consistent réellement mes études, ce que je fais, dans quelle école je suis, les tarifs, etc., etc. Cessons de blablater parce que clairement j'ai reçu énormément de questions. Donc écoutez, c'est parti. Alors du coup, première question qui me paraît logique, tu fais quoi comme études? Alors je suis tout simplement en prépa dans une école de design qui s'appelle MJM Graphic Design, qui propose énormément de formations différentes. Il n'y a pas que la prépa, c'est à dire que toutes mes années je vais les faire là-bas, logiquement si tout se passe bien, mais pour le moment moi je suis en classe préparatoire, donc c'est une sorte de mise à niveau un peu, où j'ai plusieurs matières différentes qui vont me permettre par la suite d'acquérir en fait le plus de connaissances et le plus de bases, surtout au niveau de la pratique. Deuxième question qui va dans la continuité de la première, où fais-tu tes études? Je fais mes études sur Bordeaux. Ensuite, prochaine question, as-tu de bonnes horaires? Alors oui, j'ai de très bonnes horaires, j'ai un peu vous expliquer. Ah oui, et attention par rapport à tout ce que je vais dire, je ne sais pas si toutes les écoles MJM fonctionnent de la même manière. Quand je vais répondre à toutes vos questions, ça va être en fonction de l'école MJM de Bordeaux. Alors du coup, par rapport à mes horaires, dans mon école, il y a deux prépas. Et en fait, il y a une prépa qui a cours le matin et la deuxième qui a cours l'après-midi. Et en fait, du coup, simplement pour vous expliquer, j'ai 3 heures de cours par matière par semaine. Il faut savoir que j'ai 7 matières que je vous énumérerai par la suite. Toute la semaine, en fait, j'ai cours que le matin, sauf le mercredi où c'est une journée complète où j'ai 3 heures de cours le matin et 3 heures de cours l'après-midi. Mais sinon, le lundi, le jeudi, le vendredi, j'ai cours que le matin et j'ai que 3 heures. Et le mardi, j'ai juste 1h30 l'après-midi où j'ai juste cours d'histoire de l'art. Mais sinon, j'ai de très bonnes horaires. Et en fait, pour vous situer, j'ai 18 heures de cours au total par semaine. Mais vous allez comprendre par la suite pourquoi je n'ai que 18 heures de cours par semaine. Ensuite, est-ce que tu as beaucoup de théorique ou plus de cours de pratique? Alors, j'ai beaucoup plus de cours de pratique que de cours théorique, puisque j'ai tout simplement qu'un seul cours théorique et c'est les cours d'histoire de l'art. Et j'ai seulement 1h30 de cours d'histoire de l'art par semaine, donc j'ai 1h30 de cours théorique par semaine, très clairement. Puisque le reste, ce sont que des cours de pratique. Alors, ensuite, prochaine question, combien d'années durent-elles? Alors, mes études, je pourrais pas vraiment vous dire en fait combien d'années elles vont durer, puisque c'est très aléatoire. Tout dépend de quelle formation je vais choisir par la suite. Et si j'ai envie d'arrêter, si j'ai envie de continuer, si j'ai envie de continuer mes études le plus longtemps possible, etc. Mais en fait, ça dépend de plein de choses. Mais par exemple, moi, ma prépa, j'en ai seulement pour un an. Et ensuite, toutes les autres formations que l'école MJM propose, ça peut aller de un an à trois ans grand maximum. Et pour le moment, les deux formations qui m'intéressent le plus, que je vous citerai par la suite, elles durent trois ans. Donc logiquement, si tout se passe bien et si je suis acceptée dans ces formations-là et si je décide d'y entrer, normalement, j'en aurai approximativement pour... 4 ans, normalement. Ensuite, prochaine question, tu veux faire quoi plus tard? C'est une question que j'ai reçue 10 000 fois, c'est la question qui est limite le plus ressortie. Pour vous mettre un peu dans le bain, au tout début, quand j'ai passé mon entretien pour entrer dans cette école, j'avais demandé la prépa et ensuite je lui avais un peu parlé de mes projets et moi de base, j'aurais bien voulu faire une formation sur l'infographie et le web design puisque j'aimais beaucoup tout ce qui était création d'affiches, trucs de publicité, packaging, etc., etc. En fin de compte, la prépa m'a appris d'autres choses, j'ai pu voir et découvrir d'autres choses et acquérir de nouvelles base. Maintenant, je suis extrêmement intéressée par l'architecture d'intérieur et la décoration d'intérieur. C'est des études qui m'intéressent énormément. Je sais que c'est complexe et que c'est dur, etc., etc. Mais c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. C'est quelque chose vraiment qui me passionne. J'aime énormément la déco et même tout ce qui est architecture d'intérieur, etc. J'adore. Ensuite, petite question, y a-t-il beaucoup de maths? Alors écoutez, je vais vous dire un truc, c'est que je n'ai aucune matière théorique. Je n'ai pas d'anglais, je n'ai pas de français, je n'ai pas d'histoire, j'ai encore moins des maths. Je n'ai aucune de ces matières. Ensuite, prochaine question, tu as passé quel bac? Alors, je n'ai pas passé le bac, mais j'ai eu
un bac ES. Pour vous expliquer un peu la chose, en fait mon bac ES très clairement me sert à rien dans mes études, puisque ce sont pas mes connaissances en histoire, en SES ou en maths qui vont me faire accéder dans cette école là, puisqu'en fait eux ils vont juste voir un peu tes résultats scolaires juste comme ça, genre en mode partiellement. Ils vont surtout regarder tes bulletins pour voir les appréciations, pour voir si t'es quelqu'un de sérieux, d'impliqué, qui a de la motivation, qui a de la volonté, etc, etc. Mais en fait juste pour vous dire, pour entrer dans cette école là, c'est pas parce que vous avez fait un bac général, que vous venez d'un bac S ou d'un bac ES, L ou ce que vous voulez, que vous allez forcément être pris. Tu peux avoir fait un bac pro ou un bac STMG ou des trucs vraiment qui n'ont rien à voir avec tout ça, ça va pas du tout changer la chose en fait, genre vraiment, genre moi dans ma classe j'ai des personnes qui se sont réorientées, qui viennent d'un BTS ou qui viennent d'école de commerce. Il y a des généraux, donc S, ES et L, j'ai des bacs pro, j'ai des STMG, il y a vraiment de tout. En fait simplement c'est pas nos connaissances du lycée qui vont nous servir, c'est vraiment genre notre motivation, notre volonté d'acquérir un maximum de bases, d'être ouvert au fait de pouvoir découvrir plusieurs univers artistiques différents. Mais en fait en gros il n'y a pas de filière requise pour entrer dans cette école là. Après je sais que pour les écoles des beaux-arts etc etc, il me semble qu'il faut avoir fait art appliqué ou des trucs comme ça etc. Pour MJM, en tout cas Bordeaux, il n'y a pas tout ça. Ah, moi dans ma classe j'ai de tout, on a tous un parcours différent et ça se voit pas parce qu'on n'est pas là pour nos connaissances intellectuelles dans tout ce qui est anglais, histoire, maths etc, pas du tout. Plus là dans le côté artistique, pour dessiner, pour peindre, pour faire des maquettes, plein de trucs comme ça. Et c'est pas nos connaissances qu'on aura eues tout au long du lycée qui vont nous aider, on va dire, dans ce genre d'études. Et encore une fois, je parle pour moi, je peux juste vous dire que tout ce que j'ai appris, ça me sert dans la vie de tous les jours, forcément, enfin pas tout ce que j'ai appris, on va dire, mes cours d'SES m'ont appris, etc. Mais pour mes études, ça me sert absolument à rien. Ensuite, peux-tu nous parler de tes différentes matières? PS, continue, t'es super. Déjà, merci beaucoup à toi, Marie. Du coup, je vais simplement vous énumérer les cours que j'ai, les différentes matières, si je peux dire. J'ai des cours de perspective, de dessin, d'histoire de l'art, d'infographie, de graphisme, de volume et de peinture. Ensuite, niveau quantité de travail, niveau épreuve, partielle ou pas, enrichissant, etc, etc. Alors, comme je vous l'expliquais au tout début de la vidéo, j'ai que, entre grosses guillemets, 18 heures de cours par semaine. Pourquoi? Tout simplement pour nous laisser le temps soit d'avoir un job étudiant, soit d'aller en stage ou en alternance, mais en prépa ça ne sert à rien. Mais c'est surtout pour nous laisser le temps de travailler sur nos projets, parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps. Donc oui, par exemple je vais avoir que 3 heures de cours lundi matin, mais je vais bosser de midi à 2 heures du mat sur un projet. C'est pas parce qu'on a que 18 heures de cours par semaine qu'on fait rien à côté, puis c'est vraiment notre travail personnel à la maison qui nous prend le plus de temps. Voilà, juste pour vous dire que tous les devoirs qu'on a à faire, ça peut être dur, ça peut être long, mais c'est surtout long. Chaque projet est long. Et même si tu fais juste un dessin banal, s'il est noté, je peux te dire que ton dessin, tu vas y passer plus de 9 heures dessus. Si t'as un projet de peinture, moi je peux y passer 15 heures d'affilée comme ça, parce que c'est un truc que je dois rendre. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de travail. En fait, après la quantité de travail, vraiment, elle varie de semaine en semaine, parce qu'il y a des semaines où je peux vraiment la toucher et rien faire parce que j'ai que quelques petites babioles à faire, etc. Et je les fais en 2-3 heures et c'est fait. Mais en fait après la quantité de travail vraiment elle varie de semaine en semaine, parce que il y a des semaines où je peux vraiment la toucher et rien faire parce que j'ai que quelques petites babioles à faire, etc. Et je les fais en 2-3 heures et c'est fait. Mais j'ai des semaines où c'est beaucoup plus chargé et je ne fais que ça. Les devoirs que tu vas avoir, ça va pas être des corvées, tu vas pas te forcer à le faire en mode putain ça me casse les couilles de faire ça et tout. T'as décidé d'aller dans une école comme ça, tu fais que des cours pratiques, c'est vraiment génial. C'est vraiment bien, tu vois, genre c'est pas les devoirs chiants, genre en mode t'as une disserte le lendemain après, tu dois prendre tout ton cours qui fait 20 pages. Non, pas du tout, c'est pas des choses aussi chiantes que ça. Sinon au niveau des partiels, alors j'ai pas vraiment de partiels sur table à une date précise, sauf en histoire de l'art où j'ai des partiels, mais le mot partiel est un peu démesuré, c'est un contrôle normal même si c'est dur. En gros on nous prévient pas à l'avance que ce cours là on va devoir rendre un truc à la fin de l'heure et que ça va être comme une note de partiel. On va nous mettre une note comme étant une note de partiel, enfin voilà, on a travaillé comme tous les jours et on a rendu un truc comme tous les jours, c'est juste que la note ils l'ont mis dans la case partiel. C'est pas vraiment des partiels qu'on passe directement. Ensuite, est-ce que pour l'inscription tu as dû fournir un book ou quelque chose de similaire? Oui, à mon entretien d'admission à cette école là j'ai dû fournir un book. Et en fait un book, pour ceux qui ne savent pas, en tout cas moi je vous donne ma définition, c'est en gros soit un book numérique, soit un book réel en papier, un vrai book quoi, où tu vas mettre en fait toutes les choses artistiques, on va dire, que tu as faites, ou des choses qui te représentent, mais tu peux vraiment tout mettre à l'intérieur. Tu peux mettre des dessins, de la peinture, des photos que t'as prises, des montages vidéo,
des retouches photos, des affiches que t'as pu faire sur internet. En gros, c'est vraiment genre tout ce qui est artistique, tu peux le foutre à l'intérieur pour montrer ton univers, montrer ce que tu sais faire pour le moment. C'est vraiment genre montrer un peu ton identité artistique. C'est ça en gros un book, mais oui, du coup, avant d'entrer dans une école comme ça, tu dois forcément fournir un book. Ensuite, autre question, faut-il avoir un niveau de dessin très élevé? Alors, absolument pas. Encore une fois, je parle de MJM et de MJM Bordeaux. Personnellement, je n'ai pas un niveau de dessin élevé du tout. C'est-à-dire que avant de rentrer dans l'école, je venais juste de commencer à dessiner. C'est-à-dire que j'allais sur Pinterest, je mettais des petits dessins, j'essayais de les refaire. Des fois j'arrivais, des fois j'arrivais pas, c'était catastrophique. Et vraiment genre dans ma classe, il y a des élèves qui dessinent extrêmement bien. Donc à côté d'eux tu te dis putain ce que je fais c'est vraiment de la merde. On est tous là pour apprendre et vraiment dans ma classe il y a de tout. Un niveau de dessin très élevé n'est pas du tout obligatoire pour rentrer dans cette école là. Puisque tu vas en prépa pour acquérir le plus de bases possible. Faut un minimum avoir un côté un peu artistique dans la tête hein, pour rentrer dans cette école là. Faut quand même que tu essayes de gribouiller ou montrer que t'as essayé etc. Mais t'as pas besoin d'avoir un niveau très élevé. Si on voit les dessins que j'ai mis dans mon book, c'est pas très représentatif d'une grande dessinatrice. Hein. Ensuite, prochaine question, est-ce qu'il faut forcément avoir pris l'option art au lycée pour être admis? Absolument pas. Puisque moi je n'ai pas fait l'option art et j'ai été acceptée. J'ai des amis qui ont fait option art et qui ont été acceptés aussi. Ensuite, prochaine question, est-ce que tu te plais dans tes études? Oui, mes études me plaisent énormément. Je suis très épanouie dans mes études et Dieu sait à quel point c'est compliqué pour une personne de s'épanouir dans les études. Tu peux te tromper dans l'orientation, etc, etc, c'est pas simple. Et heureusement que j'ai choisi ces études là. Moi je me suis beaucoup plus révélée, on va dire, dans ce domaine là et je découvre beaucoup de choses. Et moi de base je suis pas quelqu'un qui aime les études. Tout ce qui est lycée, collège, etc, j'ai pas du tout aimé, c'est pas du tout un truc qui est fait pour moi. La pression des profs, les trucs à apprendre par cœur, alors là mais plus jamais de ma vie je fais ça. Là vraiment c'est un tout autre monde en fait, genre c'est pas du tout la même chose. Là t'es beaucoup plus livré à toi-même, t'es beaucoup plus autonome. On est là, on est en cours, on dessine, on fait nos trucs, on présente nos projets à toute la classe. On discute avec les professeurs qui sont tous des indépendants. Ils nous aident vraiment à nous sentir à l'aise. On apprend beaucoup de choses avec eux. Ils sont là, ils viennent, ils t'aident, ils te montrent, ils te parlent, ils te connaissent. Ils font en sorte de savoir un peu qui toi tu es, quelle est ton identité artistique, etc. Ta personnalité. Pour voilà, pour t'aider dans tes projets, pour faire ci, pour donner des idées qui vont te plaire, des conseils, etc., etc. Déjà, on est vachement épaulé par les intervenants. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir été acceptée dans cette école-là. Je suis très reconnaissante d'y être également puisque c'était une école privée. Ensuite, prochaine question. Quel est le prix de ton école? Alors pour ceux qui ne le savaient pas, mon école c'est une école privée. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est école artistique comme ça, les écoles de mode, de graphisme, trucs de beaux-arts, etc. Ce sont souvent des écoles privées qui coûtent extrêmement cher. Quand je dis extrêmement cher, c'est aux alentours des 10 000, 15 000 euros. Alors là, cette école là, je pourrais pas vous dire les prix exacts, non pas que je veuille pas le dire parce que j'ai aucun tabou avec tout ça. Il me semble que ma prépa coûte 5 500, on va dire entre 5 et 6 000. Il y a toutes les fournitures aussi à l'intérieur qui coûtent extrêmement cher. Et pour les autres années, chaque formation a son prix, mais ça ne dépasse pas les 8 000 euros, il me semble. Donc franchement, même si ça fait cher, c'est sûr, c'est un coût, c'est un investissement sur la personne, etc. Mais franchement, c'est l'une des moins chères. Ensuite, autre question, y a-t-il que du dessin? Il n'y a pas que du dessin, mais c'est vrai que le dessin, c'est un peu la base de chacune des matières que j'ai. On a le cours de dessin où c'est vraiment centré que sur du dessin. On a des rendus à faire. On a dessiné, où c'est voilà très travaillé, etc. C'est vrai que la perspective, c'est aussi du dessin, mais c'est plus technique. Et après, les autres cours, on va avoir besoin du dessin, mais dans le sens où ça va être des croquis. Alors ensuite, prochaine question. Tu travailles combien d'heures par semaine environ? Alors du coup, comme je vous ai dit, au niveau des cours, j'ai 18 heures de cours par semaine. Et par rapport à mon temps de travail, on va dire personnel, enfin que je fais à la maison, ça varie des semaines en semaines. Je peux avoir passé 15 heures à bosser en une semaine sur plein de projets différents, comme 80 heures par exemple. Il y a des semaines où je peux vraiment limite rien faire et il y a des semaines où je fais que ça. Ensuite, prochaine question, tu es en alternance? Alors non, je ne suis pas en alternance puisque là je suis en prépa, donc ça ne sert à rien pour moi d'aller faire une alternance. Pour mes prochaines années, par exemple si je suis prise dans ma formation de décoratrice d'intérieur, oui, je peux aller en alternance et mon emploi du temps est fait de sorte à ce que je puisse aller en alternance puisque j'ai que 3 jours de cours par semaine. Donc le reste c'est fait pour les stages ou les alternances ou les jobs étudiants. Ensuite, prochaine question, avant d'aller dans une école de design, tu as fait des cours de dessin? Non, absolument pas, je n'ai jamais fait de cours de dessin ou quoi que ce soit.
vois. Toujours appris par moi-même, enfin en regardant les petites vidéos sur YouTube ou quoi. Alors ensuite on m'a posé une question. Tu peux nous montrer ce que tu as préféré dessiner pour tes cours? Le problème c'est que je peux pas vous montrer ce que j'ai fait pour mes cours puisque j'ai dû tout rendre à l'école puisqu'on fait les portes ouvertes et ils avaient besoin de tous nos projets. Mais c'est vrai que je vous montre un peu dans mes dernières vidéos un peu de dessin, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir. Mais là malheureusement j'ai rien sous la main à vous présenter, je suis vraiment désolée. Ensuite, prochaine question, comment as-tu été admise? Alors tout simplement, j'ai passé un entretien d'admission. Lors de mon entretien, j'ai eu deux tests. J'ai eu un test de culture générale où j'ai eu plein de questions sur des choses artistiques, sur le design, quel créateur a créé telle chaise, les musées, les trucs, etc. et des questions plus personnelles. J'ai eu également un autre test de dessin où j'ai eu un objet face à moi et j'ai dû le représenter tout simplement, et donc ce test a duré 45 minutes. Et ensuite j'ai eu mon entretien de motivation, ça c'est le plus important. C'est à dire que même si ton test de culture générale tu l'as chié, même si ton dessin il est pas ouf mais que t'as réussi à le représenter, on sait ce que c'est et on voit que c'est l'objet qui était devant toi, ça passe. Mais ce qui compte le plus, ça a vraiment été l'entretien de motivation. Mais en gros on va te poser des questions, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, pourquoi toi et pas une autre personne, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que t'aimerais faire plus tard, pourquoi, etc. Et en fait chaque réponse que tu vas donner à la personne qui te fait passer ton entretien va amener une ouverture en fait, et elle du coup elle va te poser encore d'autres questions en fonction de ta réponse. Donc pendant une demi-heure c'est à balle de questions, faut bien y répondre quoi, mais après faut pas chercher à avoir la perfection dans tes réponses, faut pas lui dire ce qu'elle a envie d'entendre, faut vraiment être sincère et vraiment parler de toi. Et ensuite t'as la présentation de ton book. Ensuite prochaine question qui nous vient tout droit d'Anaë, à qui je fais d'énormes bisous. La matière que tu adores versus celle que tu hais. En règle générale j'aime toutes les matières, celles qui me plaisent le plus je vais dire que c'est la perspective, puisque voilà ça rejoint un peu tout ce qui est archi et déco. J'aime beaucoup le graphisme et c'est vrai que même le cours de volume, de peinture, de dessin m'intéresse aussi également avec l'infographie et tout. Et le cours que je hais, je vais pas dire que je le hais mais je l'aime pas, c'est le cours d'histoire de l'art parce que c'est un cours théorique et je n'aime pas les cours théoriques. Est-ce que c'est centré sur l'art ou il y a bien plus dans tes études? Alors non, ce n'est pas que centré sur l'art du tout. Une école qui est vraiment centrée sur l'art, ça serait l'école des beaux-arts. Moi je suis pas dans une école d'art, même si je fais des choses qu'on peut faire en école d'art. On touche à énormément de domaines différents, donc c'est pas centré que sur l'art directement, parce que on a des cours de volume, on va devoir faire des pièces volumineuses, des maquettes d'archi, plus le côté créatif, l'imagination, on touche vraiment à plein de choses, donc c'est pas que centré sur l'art. Et du coup, dernière question pour cette vidéo, dis-nous comment on fait pour rentrer dans cette école, moyenne requise, Parcoursup, etc. Alors, il n'y a pas vraiment de moyenne requise ou un bac requis, un certain parcours scolaire requis, absolument pas, ça je l'ai déjà expliqué, puisque c'est vraiment pour ta personne, pour ta créativité, ton imagination, ton identité artistique en fait que tu vas pouvoir entrer dans cette école là. Par rapport à Parcoursup, l'école n'est pas sur Parcoursup puisque c'est une école privée, il me semble que sur Parcoursup il n'y a pas d'école privée. Après moi Parcoursup je m'y connais pas, je me suis jamais inscrite, mais cette école là n'est pas sur Parcoursup. Donc du coup voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée, j'espère avoir répondu à un maximum des questions, j'espère que mes réponses vous auront éclairé. Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas forcément répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou par DM sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye.